Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Andrew Ryan, permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front,
cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les Crozons arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse fait descendre. Il y a un vrai bazar là-haut est pété. Et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Cette radio à haute courte, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Toujours au jardin.
Votre code génétique a été entièrement modifié par le plasmida. Je sais que c'est une sensation énorme, mais respirez profondément et ça ira plus vite. Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la dent sur lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'as qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse! Regarde, Sulpi. C'est un ange. Je vois la lumière qui sort de son ventre. Bien, je sais que ce sera un ange bientôt. Vous tenez le coup, l'ami? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment.
Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Dites, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de mon water depuis bientôt 3 semaines? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose.
Si vous voyez un gros zoom dans l'eau, attaquez-le avec votre arc électrique.
Vous l'avez bien choisi, t'embellis la vie. Jerry, il nous en faut plus pour la fête. N'approchez pas de mes patrons. Je suis le plus grand des docteurs. Ryan est là-dedans. Là-dedans est Ryan. Après des années, étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, ravotions un nez par-là. Cependant, vraiment changer les choses? Je ne crois pas. Là-dedans nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Chérie. Vous allez utiliser le sort d'argent. Il vous faut la clé du docteur Strandman. C'est lui le patron ici. Cependant, Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis la fête du Nouvel An. Mais le docteur était au petit soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Soit là, devant nous, inondé de sa perfection. J'adore, j'adore. Yeah. Et comme il pleure, à la surface.
de toutes ces machines si vous les touchez avec votre arc électrique. Je suis beau. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? La dent et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration?